tous, ceci est la vidéo du 8 juillet 2014. Donc c'est une mauvaise journée puisque aujourd'hui j'ai perdu 1163 € en faisant 5 ou 6 trades. J'étais pas super disponible psychologiquement, on va dire. J'ai repéré que lorsqu'il y a certaines circonstances de ma vie, systématiquement, ces jours-là, je perds. Je ne rentre pas dans le détail sur ce que sont ces événements qui ponctuels, qui m'arrivent tous les mois. C'est du domaine de l'intime. Mais bon, systématiquement, ces journées-là, je me prends une baffe parce que je ne suis absolument pas disponible psychologiquement. Donc ce matin, je me suis dit que je n'allais pas trader et j'ai quand même tradé. Donc je me suis pris un premier trade dans la tête de -600 € à peu près. Hein, c'est mon money management. Une perte de 600 € par jour maximum, et normalement j'arrête de trader. Donc j'ai eu la perte tout de suite là entre 9h et 9h30, donc j'ai arrêté de trader et j'ai repris à 16h, entre 16h et 16h30. J'ai refait un autre trade et je me suis à nouveau repris 600 € dans la tête. Donc là j'arrête hein, parce que je vais pas prendre 600 € de plus. Donc là ça fait très précisément 1163 € de perdu. Perte que j'aurais pu totalement éviter si j'avais bien respecté mes 10 règles de trading, hein, qui est notamment une qui faisait qu'aujourd'hui je ne devais pas trader, mais l'envie de trader a été certainement la plus forte. Hein, je ne sais pas, mon dernier trade, mon dernier gros trade perdant d'à peu près 600 €. J'ai bien acheté, on a eu la cassure des 9800 et là, dès que j'ai vu 500, 600 € de perte, j'ai tout de suite fermé. Je n'étais même plus dans l'analyse de la situation. Donc, en fait, je voulais rattraper ma perte de ce matin. Et donc, en voulant me forcer à trader, en voulant me rattraper, je n'ai fait que doubler la perte, tout simplement. Donc ça m'arrive systématiquement quand je veux me forcer à rattraper une perte. Donc voilà, bilan du jour plus que négatif, puisque mine de rien, 1163 € de perte, ça me fait perdre 3 journées de gains. De trading. Là, depuis le début du mois, je suis en ayant tradé 5 jours, je ne suis plus qu'à 300 €, 400 € de gains. Donc 5 jours pour 60 € net, c'est pas terrible, même si j'ai pas tradé 12 heures dans la journée. Hein. Donc voilà, l'objectif demain est mercredi, il reste encore mercredi, jeudi, vendredi. 3 jours, donc cet objectif pour les 3 prochains jours va être de rattraper ma perte du jour tranquillement, mission de gagner 200-300 €. Allez, une bonne journée sur les 3, ça fera peut-être 500-600. Je devrais m'en sortir flat sur la semaine, donc une semaine pour rien. De prévu entre guillemets à l'avance, hein, et avec absolument la volonté de ne pas descendre plus bas, parce que là c'est bon, j'ai eu ma journée à moins 1200, on va en rester là.